Tout d'abord, Olivier Minard. Oula. Salut, je m'appelle Simon Barraud, je suis étudiant en bachelor à l'ISCPA Toulouse et aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience de stage à la chaîne L'Équipe. L'année dernière, j'ai fait mon stage de première année à Radio Occitanie, donc aussi de 3 mois, qui m'a beaucoup plu. Mais mon projet professionnel, c'est de devenir journaliste sportif, donc je voulais découvrir un grand média qui travaille dans ce domaine. C'est pour ça que cette année, donc, je suis allé via LinkedIn contacter différents journalistes de médias type RMC, Bein ou donc L'Équipe. Et c'est Afi Dibour, un journaliste donc affilié à cette chaîne, qui m'a répondu et qui m'a donné l'adresse mail de Blandine d'Alençon, qui est la secrétaire générale de rédaction de la chaîne, qui m'a recontacté ensuite par mail et qui m'a proposé un entretien. Suite à cet entretien, donc j'ai eu une réponse positive et c'est comme ça que j'ai eu mon stage de 3 mois à la chaîne L'Équipe. Pendant mon stage, j'ai travaillé à L'Équipe de Greg, qui est une des émissions quotidiennes de la chaîne L'Équipe, qui est animée par Greg Acher. Pour ça, je participais aux conférences de rédaction qui permettaient d'établir les sujets, que ce soit pour le foutoir et pour l'émission, et je réalisais également tous les éléments visuels qui apparaissaient à l'antenne pour le foutoir. Les rencontres qui m'ont beaucoup marqué pendant ce stage, c'est d'abord Olivier Ménard. Ça m'a un petit peu impressionné au début parce que j'avais l'habitude de le voir à la télé. Mais travailler avec lui, ça a été une chance parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement professionnel. Même si c'est l'animateur, c'est un des premiers qui arrive à la rédaction. Et pendant les conférences de rédaction, il veut vraiment trouver le meilleur sujet possible, la meilleure question. Et pour ça, il n'hésite pas à passer une dizaine de minutes sur chaque sujet. Et au niveau de L'Équipe de Greg, il y a une personne aussi qui m'a beaucoup impressionné. C'est un des chefs d'édition qui s'appelle Julien Chalouette. Donc, ce qui m'a impressionné vraiment, c'est... C'est que c'est une machine de travail, il laisse rien passer, il n'y a aucune erreur qui est susceptible de passer à l'antenne avec lui. Et il donne également de très bons conseils, il m'a vraiment permis de m'améliorer, donc c'est vraiment une des personnes que je retiens durant ce stage.